L'avion, c'est une petite plume. Regardez, la formation est parfaitement tenue. Pourtant, on voit vraiment les ailes qui bougent. Et bien, pourquoi? Tout simplement parce que les cumulus, les nuages de volcans situés au-dessus de l'aile, ont de manière à venir secouer l'avion. Et l'avion étant particulièrement léger et étant équipé d'une aile particulièrement grande, et bien, les pilotes doivent sans cesse être aux commandes. Ils ne peuvent pas lâcher le manche. Ils doivent en continu apporter des corrections afin de garder l'inclinaison, l'état ou l'attitude. Ces Viper J3, vraiment, on leur doit beaucoup. Ce sont des avions qui ont été laissés sur le continent européen par les Américains après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont ces avions-là qui ont permis le renouveau des ailes françaises dans les années 1950. Ce sont aujourd'hui des avions que vous ne trouverez pas en vente. Ne cherchez pas. Ce sont des avions qui présentent de telles qualités que lorsqu'ils sont cédés, eh bien, cela se fait en petit comité sans qu'aucune annonce ne soit passée, tellement cet avion...